Eh, tu veux... Non, non, merci, non, c'est bon. Attendez, je vais vous payer... Je vais vous payer ça tout de suite. Attends, non, c'est pour moi, Tout de suite, mec. cash, comme Ok. ça. Je savais que ça, moi. Je paye toujours cash. Oh putain, j'ai plus de temps. Filez-moi un peu d'alcool. Et pour lui aussi, un petit 5... 5 bières pour lui. Ouais. J'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. Non, c'est vraiment, j'ai mal où. Vraiment, en plus, j'ai mal vraiment à Ouais, non, mes. mais il est chaud, en fait. Verse-lui rien du tout. Non. Bon, merci quand même, mais. Non, franchement, j'ai un peu mal à, mes... à mon rhume, tu vois, et ça m'aide pas vraiment de venir ici, tu vois ce que je veux dire? Je me sens pas vraiment à l'aise ici et. Écoute, c'est très simple. Moi, tous les jours, je me, comment dire, Non, en vrai, tu sais, j'ai vraiment mal aux poumons et j'ai du mal à respirer en ce moment et. C'est assez compliqué. Enfin, je veux pas te faire tous les détails et tout ça, je mais. me décrase tout simplement les poumons d'une façon très particulière. Tu sais, une façon que ma grand-mère m'avait montrée. Attends, t'es en train de me dire que là, cette technique marche super bien? Attends, je viens. T'as l'air sacrément malade comme mec, comme mec. Je vais te montrer un petit peu tout ce que ma grand-mère m'avait donné. Attends, j'ai rien compris là. Tu mets un truc dans ton truc et après ça va mieux. C'est ça ta technique? Non, c'est tout simple. Alors, tout simplement, la première règle, c'est il faut jamais respirer en ville. Il y a des pollutions, tu vas tomber malade, mec. C'est pas possible, putain, tu vas mourir de tout ça. Tu sais. Non, franchement, tes poumons vont exploser, mec, si tu fais de la merde comme ça. J'ai rien compris. Attends, Écoute-moi bien, non, je vais te explique, montrer. s'il te plaît. Non, attends, attends, laisse-moi t'expliquer, parce que sinon ça va être compliqué, ça va être parti en couille. Alors, attends, tout simplement, tu imagines le truc, ok? Tu es malade, tu as une grippe. BAM! Ah, Ton d'accord, cerveau oui, je comprends, explose, oui. mec! Et puis là, d'un coup, tu as des trucs qui arrivent. Genre, par Des exemple, petits oiseaux, c'est une quoi? sinusite. Ça, c'est horrible, ça, les sinusites. Moi, je déteste les sinusites, franchement, quand moi, je suis hors contrôle quand ça bouge comme ça. Non, 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 pas du tout. T'y es pas du tout, mec. Quand tu as des trucs dans la tête comme ça, tu peux imaginer ce que tu veux. Par exemple, si tu es malade, malade souffrant, tu sais que tu tousses, que tu craches des glaires tous les jours comme ça, et que tu sniffes avec. Genre, t'es malade, t'as le nez qui coule. Et puis, Oh. ben là, à ce moment-là, il faut que tu trouves une solution. C'est pas possible autrement. Tu Ah. peux pas. Tu peux pas imaginer des choses, par exemple, draguer une fille en lui crachant dessus parce que tu tousses. C'est pas possible, c'est inimaginable, mec. Écoute-moi bien, je vais te filer un remède. Tout simplement, tu te mets chez Ah, toi. d'accord. Ouais. Ouais, enfin, en gros, t'es un peu cinglé, non? Je vais boire un peu. Écoute-moi bien, tu te mets chez Désolé, toi, désolé, tranquille. désolé. Comme ça, t'es posé, t'es au calme. Là, maintenant, tu te dis, Oui. écoute, il faut que je guérisse. Tu fais une grande inspiration comme ça. Et puis, là, tu expires ça. Quoi? T'es sérieux là ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Attends. Ok, t'as l'air de rien piger de ce que je dis, en fait. Mais je peux pas faire ça. J'ai une éthique moi. Laisse-moi finir et puis après on en reparlera, ok? D'abord, c'est moi qui explique. Alors, tu respires comme ça. Après, tu fais... Comme ça, dis donc. Ok, d'accord, je pense que t'as pas compris le délire. Bon, j'explique. Ah ouais, dis donc, oui, d'accord. Bon, tu vas me laisser finir, putain, ou je m'arrête de parler, au pire, si tu veux que j'arrête de parler, hein? Voilà, je préfère ça. Ferme un peu ta gueule. Bon, maintenant! Regarde, écoute, tu respires comme ça. Tu entends le bruit de ta respiration? Tu l'entends qui prend ton corps comme ça, qui te possède? Oh, il me possède, tu vois ce que je veux dire? Il sent comme moi, je... Voilà. Il faut que je respire, j'expire. J'ai rien Respire! compris, mec, franchement. Oui? Respire, expire. Oh, pas trop vite, parce que sinon après tu vas mourir. C'est possible que tu meurs et tu tomberais de... Non mais fais gaffe à ça. Ça peut tuer des gens, ça. De respirer trop vite. Non, franchement, là, tu me saoules, là. Enfin, vraiment, je comprends pas, mec, ton Après! délire. Ça devient vraiment chelou, là. Non, parce qu'au début. Ok, Là, ma bon, grand-mère, elle m'avait donné un remède. fermez ma Je sais gueule. pas si je peux vraiment te le dire, tu m'as l'air d'être un peu un collabo, tu vas mettre ça sur YouTube et tout. Et puis, fuck, je vais te montrer. C'est dans ma tête. Tu mets deux doigts comme ça et tu réfléchis très fort, oui. C'est quoi, c'est du. Réfléchis très fort, et écoute de tes deux oreilles. Écoute-moi bien, reste tranquille. Oui, bonjour. Tu m'as l'air d'être vachement excité comme moi. Mettez-lui 5 bières finalement. Oui, 5 bières. Et ça tourne en rond comme Oui, d'accord, ça. je comprends, c'est une sorte de cycle. D'accord. Ça, c'est l'effet quand t'es bourré. Tu vois, t'as la tête qui tourne, c'est normal. C'est parce que tu bois trop d'alcool et que t'es un petit peu bourré. Tu vois, moi, je suis complètement bourré là. Je suis complètement bourré et Ah, ça mais tourne. tiens, mon vieux. Bon, revenons au mouton. Oui, je vais Je te prendre une petite l'expliquais. olive, tiens. Attends, tu prends une Pas me olive faire là? chier, ça. Tu prends. Qu'est-ce que c'est?
J'ai un truc qui passe pas! Aide-moi! Aide-moi, putain, je... Mais il est con, je suis en train de m'étouffer, putain! Aide-moi, putain! Ah, c'est passé. C'est passé, mais je continue à le faire parce que c'est plutôt agréable en fait, tu vois. Ouais, continue, 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 tu tiens la règle. Ouais, ouais, comme ça, comme ça, ouais, voilà. Voilà. Ça, c'est le remède de ma grand-mère. C'est faire style que t'es.